on en est déjà au cinquième quiz sur le syndrome d'air dans l'os et l'hypermobilité en général. Je me chauffe et vous vous chauffez aussi. C'est ultra cool de voir qu'il y a plein de gens qui connaissent plein de trucs et je suis content. On va rester sur les champs multiples parce que voilà, j'ai décidé c'est comme ça. Alors, c'est simple, 5 questions, du coup maximum de 5 points, 5 secondes environ entre chaque question, comme ça tu as le temps de réfléchir, tu peux mettre pause si tu as besoin. N'hésite pas à me donner tes résultats en commentaire, c'est parti! Lequel de ces animaux ne peut pas, à notre connaissance, avoir de syndrome d'air dans l'os? Est-ce qu'il s'agit du chien? Est-ce qu'il s'agit du cheval? Ou est-ce qu'il s'agit du panda? La bonne réponse est, à notre connaissance, le panda ne peut pas avoir de syndrome d'air dans l'os. Laquelle de ces conditions n'est pas une comorbidité fréquente du syndrome d'air dans l'os? S'agit-il de la fibromyalgie? S'agit-il de la dysautonomie? Ou s'agit-il de la malaria? C'est facile celle-là, facile. C'est la malaria. À ma connaissance, il n'y a pas de lien entre la malaria et le SED. Pour lequel de ces symptômes connus du syndrome d'air dans l'os, l'oxygénothérapie n'a pas la réputation d'être utile? S'agit-il de la fatigue? S'agit-il de la douleur? Ou s'agit-il de l'eczéma? Alors, normalement, il n'y a pas d'effet sur l'eczéma avec l'oxygénothérapie. En sachant que l'oxygénothérapie n'est à ce jour pas prouvée, mais apparemment, beaucoup de personnes ont des effets positifs sur la fatigue et la douleur. Parmi ces 3 chaînes YouTube, laquelle n'est pas tenue par une personne ayant, à notre connaissance, un syndrome d'air dans l'os? S'agit-il de la chaîne de Vivre Avec? S'agit-il de la chaîne de Saut Multico? Ou s'agit-il de la chaîne de Hugo Décrypte? La bonne réponse était la chaîne de Hugo Décrypte. C'est une chaîne d'information. Vivre Avec est probablement la chaîne la plus connue sur le syndrome d'air dans l'os et je vous la recommande vraiment, même si en ce moment Mathieu ne fait plus de contenu. Et Saut Multico est également tenu par une personne ayant le syndrome d'air dans l'os et je vous encourage aussi à suivre son travail. Et enfin, quelle est la couleur portée pour sensibiliser au syndrome d'air dans l'os de type vasculaire? S'agit-il du bleu? S'agit-il du blanc? Ou s'agit-il du rouge? La bonne réponse, c'est que l'on porte du rouge pour sensibiliser au syndrome d'air dans l'os vasculaire. Alors, combien de points t'as eu ?